Comment enregistrer votre contenu audio, même réaliser des interviews? Donc, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc, juste avant, cliquez ce bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, si vous êtes comme moi, donc un marketeur de contenu ou un créateur de contenu en fonction de la thématique que vous choisissez, ben voilà. Assez régulièrement, vous voulez réaliser des interviews. Hein. C'était une question que l'on m'a posée récemment dans le club privé business. Hein. Et en fait, moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'utilise et ce que je vous invite à mettre en place. Donc, vis-à-vis de votre contenu audio, vous pouvez publier sur SoundCloud ou iTunes. Vous pouvez utiliser donc le micro Blue Yeti. Donc, ça, c'est un bon petit micro qui vous permet de pouvoir avoir un bon son de qualité. Quand vous êtes sur un Facebook Live, un YouTube Live ou même une quelconque vidéo, vous utilisez le micro que vous voyez ici à l'écran, donc c'est-à-dire un micro Rode. Et par rapport à l'enregistrement, généralement, moi, ce que je conseille, donc personnellement, j'utilise GoToWebinar, donc c'est en plus vis-à-vis de mes conférences en ligne. Donc à chaque fois que je réalise une conférence en ligne ou peut-être de temps en temps un coaching privé, donc je l'enregistre avec GoToWebinar, comme ça permet d'avoir un bon son et avoir donc l'image vidéo par la même occasion, donc l'image où on a la capture de l'écran au moment où on fait la vidéo en question. Donc ça, c'est top. Si vous voulez filmer quelque chose, montrer un détail précis, donc ça, c'est royal vis-à-vis de tout ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous êtes sur Mac, utilisez ScreenFlow. Donc moi, j'utilise ScreenFlow, vous avez aussi Final Cut Pro. Si vous êtes sur PC, utilisez Camtasia. Vous allez avoir toujours ce backup. Donc en plus d'utiliser un logiciel pour faire des conférences en ligne, donc moi j'utilise GoToWebinar, mais vous utilisez peut-être Webinar Jam, vous utilisez peut-être une autre plateforme. Donc systématiquement, je fais le backup. Donc personnellement avec ScreenFlow, parce que je suis sur Mac depuis quelques années, mais par le passé, quand j'étais sur PC, j'utilisais Camtasia. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place directement sur votre ordinateur et comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de qualité. Un autre logiciel en complément que vous pouvez utiliser, c'est Zoom.us. Ça vous permettra de pouvoir aussi avoir l'enregistrement en format MP3. Et du coup, quand vous avez ce format, soit le donner à votre audience, et c'est assez appréciable parce qu'on peut l'écouter dans sa voiture, dans les transports en commun, et du coup, pas besoin d'avoir une image comme une vidéo. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place tout ça. C'est assez simple. Aujourd'hui, donc quand on a quelques investissements, donc typiquement dans le micro que j'ai évoqué tout à l'heure, le Blue Yeti, c'est à peu près, je crois que ça doit être 120 euros, 130 euros. Donc c'est totalement dans les cordes de beaucoup de personnes. Plus le micro que vous voyez juste ici, c'est 30 euros, donc ça fait 150 euros en tout. Et vous allez pouvoir enregistrer de manière professionnelle tout votre contenu. Et du coup, vous n'avez pas des tourbillons ou des choses comme ça qui va nuire à la qualité de la vidéo. Et c'est assez simple, ça prend pas tout ce qui est bruit ambiant. Donc moi, personnellement, j'aime mieux tout ce qui est micro, comme vous voyez ici à l'écran. Parce que vous avez le petit Sony qui est quand même une petite barre de sneakers. Ça, je l'aime pas forcément parce que ça prend aussi du bruit ambiant. Donc, du coup, autant avoir quelque chose qui va un petit peu vaincre le bruit ambiant de l'extérieur, le vent et toutes ces choses-là. Et ça, les bonnettes vis-à-vis du vent, c'est assez appréciable. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à chaque fois faire un backup. Les couilles techniques, il y en a. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'en avoir encore également. Donc, du coup, je dis ouf, j'ai mis le backup et si je ne l'avais pas mis, je m'en mordrais les doigts en me disant putain, il faut refaire le contenu. Donc, du coup, à chaque fois, ayez toujours ça à l'esprit. J'ai une sécurité au cas où que le logiciel plante pour une quelconque raison. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Si vous avez quelques précisions à ajouter à la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir une formation offerte donc pour créer ce premier tunnel de vente ou un autre tunnel de vente en or et encaisser du cash au quotidien. Réaliser du marketing de contenu comme je le fais ou comme vous le faites certainement. Excellent, mais ensuite il faut arriver à bien le vendre pour avoir des rentes en automatique au quotidien. Donc merci une nouvelle fois. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc cliquez bien sur le lien, laissez votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir donc cette formation offerte pour pouvoir donc mettre en place tout ça étape par étape dans votre business. Donc si
une nouvelle fois, vous avez un tunnel de vente, bah, vous en aurez un autre qui va cracher les euros. Ça va faire Stripe, 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 PayPal, Stripe, PayPal, PayPal directement dans vos emails et sur votre compte en banque. Donc, c'est la magie des revenus automatiques. À tout de suite pour la formation offerte directement dans votre boîte mail.